Bonjour à tous, nouvelle arrivée aujourd'hui au sein de l'agence No Risk à Antibes, l'occasion sans risque. Donc voilà, très très jolie arrivée aujourd'hui, Jaguar F-Type, que Christopher, juste à côté de moi, va vous présenter. Bonjour à tous, donc comme vous le disiez Edouard, magnifique arrivée au sein de notre agence No Risk à Antibes. Alors, une Jaguar F-Type coupée sur une S. On est ici sur un modèle de 2017. Ok. Et sur le V6 suralimenté, qui fait partie des derniers, puisque après on est passé sur les V6 turbo. Donc 381 chevaux, et petite particularité de celle-ci, on est également sur une propulsion. Voilà. D'accord. Sans quatre motrices, on est sur une propulsion. Donc, on est sur un gros véhicule, pas vraiment sur une sportive, on est plutôt sur un véhicule, sur une GT, donc un véhicule de grande propulsion. On a l'énorme système de freinage avec les grosses roues en 20 pouces. On est sur une Jaguar, donc tout en finesse, on retrouve les poignées qui se déplient. Siglé Jaguar, donc accès et démarrage sans clé hein, au passage. Ok. On est face à l'arrière du véhicule. On a un énorme arrière avec des grosses hanches. Et la ligne d'échappement, tout simplement magnifique. Et petit détail cool. Aussi, alors ça peut avoir son importance pour certains, puisque c'est un petit peu ce qui a séduit le propriétaire actuel de ce véhicule. Quand il est arrivé, il a vu le véhicule de derrière. Bon, en voyant le gros échappement avec les grosses hanches et les gros pneus, c'est ça qui l'a fait craquer pour ce véhicule. Donc, d'accord. On est vraiment sur une voiture magnifique. Qui est très très bien optionné. On est quasiment full option, hormis le toit ouvrant et les vrais sièges baquets. On va aller voir ça à l'intérieur, comme ça on va tout le monde. Allez. Donc voilà, au niveau de l'habitacle, on retrouve les sièges baquets basiques. Vous pouvez avoir d'autres baquets, un petit peu comme dans les Ranges SVR, mais ils sont beaucoup plus gros. Donc là, on retrouve ces baquets-là qui sont intégralement en cuir et à mémoire de forme. Donc, vous avez les trois positions, vous pouvez régler tout le siège ainsi que le côté. Vous pouvez gonfler le côté du siège selon votre morphologie pour être assis confortablement. Déjà, pour en finir avec les sièges, toute la sellerie est chauffante. Vous pouvez voir également le paxon méridien. Donc 10 haut-parleurs au total dans ce petit habitacle. Donc, on est sur une vraie salle de concert. Voilà. Donc au niveau du poste de pilotage, on retrouve le magnifique volant en échauffant également. Avec les palettes, vous pouvez voir les palettes en couleur cuivre. Tout comme le bouton de démarrage et le petit sélecteur des modes de conduite. Voilà, au niveau de l'écran d'infodivertissement, on retrouve toutes les informations, hein. Tout ce qui est navigation, mode de conduite, voilà, un petit peu tout. Donc, on a également les caméras, les différents modes pour l'audio et les aérateurs qui se lèvent lorsqu'on met le contact. Donc c'est un détail, mais c'est absolument magnifique. Voilà. Bon, bien évidemment, je vous passe tous les détails de climatisation automatique Bizone, etc. On est sur une Jaguar, donc on sait que ça y est. Hein. Voilà, donc, les modes de conduite. Est-ce que les compteurs changent? Oui, les compteurs changent lorsqu'on sélectionne les modes de conduite. Surtout au niveau de la couleur. Voilà. Donc voilà, un petit peu tout dans cette Jaguar. On retrouve ici toutes les commandes pour la boîte de vitesse. Mode de conduite, on en a déjà parlé. Ici, pour désactiver l'ESP, pour l'échappement sport et pour le petit aileron qu'on va sortir. Comme ça, vous allez pouvoir le voir de derrière. Et je vais démarrer le véhicule, comme ça, vous allez pouvoir entendre. J'ai vu qu'il y avait plusieurs positions pour l'aileron. Plusieurs positions. D'accord. Donc là, effectivement, il est sorti. Effectivement, on peut le régler comme on veut, en fait, selon la façon dont on reste appuyé. Ok, bah écoute, si tu veux, tu peux aller leur montrer ça de derrière. Comme ça, je vais la démarrer un petit coup. Et, allez. Parce que c'est aussi ce qui fait le charme de cette voiture, hein, la sonorité du moteur.
marche déjà bien. Ça va ? J'adore le côté bronze de, du sélecteur de conduite le, avec les palettes. Ici, ouais. C'est en option ? Oui. Donc là, il y a trois modes de conduite. Donc là, je suis en standard. Hein. Là, je passe en mode race. Et après, qui est le mode sport plus, où on amène à gauche et là, on passe, en, on passe aux palettes. Ouais. On va se prendre le bord de mer aujourd'hui sous un magnifique temps. C'est une petite accélération. Dis donc.